Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du débat en ce mercredi 21 décembre 2016. Alors que la guerre en Syrie est centrée sur Alep et les opérations d'évacuation qui se poursuivent, l'ambassadeur de Russie en Turquie a été victime d'une attaque armée lors d'un événement culturel à Ankara lundi soir. Pour le président russe Vladimir Poutine, il s'agit d'une provocation destinée à porter préjudice aux relations entre Moscou et Ankara, mais aussi à déstabiliser le processus de paix en Syrie. Cet incident est survenu à la veille d'une réunion tripartite entre la Russie, la République islamique d'Iran et la Turquie à Moscou pour travailler sur la coopération en Syrie, mais aussi sur le processus d'évacuation à l'est d'Alep. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, on va se pencher sur les circonstances et les principales raisons de ce drame, sur la situation à Alep, mais aussi sur cette réunion tripartite à Moscou pour, en effet, étendre le processus, le cessez-le-feu en Syrie. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. L'ambassadeur russe en Turquie, Andrei Karlov, a été tué par balle lundi 19 décembre lors d'une attaque armée à Ankara alors qu'il visitait une exposition d'art dans la capitale turque. L'incident survenait à la veille d'une réunion tripartite prévue à Moscou entre la Russie, l'Iran et la Turquie pour évoquer l'avenir de la Syrie. De toute évidence, cette opération a demandé une préparation minutieuse, notamment en termes de logistique et de renseignement, qui n'est pas à la portée du premier venu. Plusieurs hypothèses sont possibles, mais il y a de fortes chances que cet assassinat soit en lien avec l'intervention russe en Syrie contre les terroristes pro-occidentaux de Daesh, humiliés après la libération de la ville d'Alep. À moins qu'on ne cherche à mettre un terme à l'embellie diplomatique entre Moscou et Ankara. A rappeler que le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui était l'un des principaux chefs d'État, a insisté sur le départ d'Assad du poste de président, s'est rapproché ces derniers mois de Moscou afin de parvenir à une issue politique permettant le retrait des terroristes de l'Est d'Alep. Certaines sources ont souligné le rôle qu'a joué l'ambassadeur assassiné Andrei Karlov dans les négociations qui se sont déroulées en coulisses entre Ankara et Moscou et ce en marge des combats à Alep. Sans ces efforts, disant ces mêmes sources, la reddition des terroristes n'aurait pas eu lieu si rapidement et la bataille aurait duré plus longtemps. Dans ce contexte, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères russes, iraniens et turcs se sont réunis ce mardi sur la Syrie. Cette réunion a été décidée quand la Russie a accepté le texte de la résolution des Nations Unies sur l'envoi d'observateurs à Alep pour superviser l'évacuation des civils, car la réunion de Moscou devait essentiellement être consacrée à cette question. Dans une intervention lors de la réunion tripartite de Moscou, le premier diplomate iranien a réaffirmé que la diplomatie constituait le seul moyen de trouver un épilogue au conflit. Mohammad Javad Zarif a espéré qu'un accord de cessez-le-feu sera conclu sur la crise syrienne. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a pour sa part souhaité que les négociations tripartites aboutissent à des mesures efficaces susceptibles de normaliser la situation et mettre fin aux violences en Syrie. Les trois pays ont ainsi convenu de l'importance d'étendre le cessez-le-feu en Syrie après des discussions tripartites à Moscou de leur chef de la diplomatie. De ce point de vue, l'axe Moscou-Téhéran est de facto l'arbitre du jeu diplomatique face à une Amérique en retrait et à l'orée d'un changement de président à Washington. Retour au plateau de l'émission du débat à l'antenne de Presse TV depuis Téhéran. Merci de votre attention pour cette émission. Nous sommes en ligne via Skype depuis Moscou avec Mikhail Egorov, journaliste chroniqueur russe, mais aussi au téléphone
depuis Paris avec Stéphane Blett, analyste franco-turc et des questions internationales. Je vous propose tout de suite de rejoindre à Moscou M. Egorov. M. Egorov, bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme première question sur l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara, est-ce que là, il s'agit d'une défaillance sécuritaire de la part du gouvernement turc ou bien c'est l'œuvre d'une programmation minutieuse, d'autant plus que cet incident, alors, est survenu après la libération d'Alep? Je dirais que c'est les deux. Le fait qu'il y a aujourd'hui des défis sécuritaires très sérieux en Turquie, c'est un fait. Et ça concerne aussi bien les attentats terroristes qui ont visé plusieurs villes de Turquie récemment. On l'a vu à Istanbul aussi. Donc le fait qu'il y a des défis sécuritaires, oui, c'est un fait. Est-ce qu'il y a eu des défaillances du point de vue sécuritaire? Pour ma part, je pense que oui. Après, bon, d'après ce que j'ai pu entendre, les témoignages de la part des personnes qui connaissaient bien Andrei Karlov, notre ambassadeur en poste à Ankara, les hommes politiques, les journalistes turcs notamment, ils avaient dit que c'était dans son habitude de ne pas être accompagné de gardes du corps ni russes ni turcs. Il n'avait jamais voulu demander une protection supplémentaire le visant. C'était dans son style. Mais en même temps, quand on sait justement qu'il y a des défis sécuritaires très sérieux sur le territoire turc, il aurait été logique, je pense, de par la partie turque, d'assurer une sécurité plus minutieuse. Mais ça, c'est le premier point. Mais le fait qu'il y a eu une préparation très minutieuse en vue de commettre cet acte ignoble, oui, c'est un fait. Et d'ailleurs, vous avez suivi la réaction des responsables russes et turcs qui ont eu une position très similaire, à savoir que c'était sans aucun doute une provocation destinée à saper les relations, le processus de normalisation des relations russo-turques qui a été entamé, et de saper aussi le processus de paix en République arabe syrienne. C'était d'ailleurs la déclaration du président russe Vladimir Poutine. Merci infiniment pour ces précisions, M. Egorov. On va également entendre au téléphone M. Stéphane Blett, analyste franco-turc des questions internationales depuis Paris. M. Blett, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, M. Blett. M. Blett, quel a été, selon vous, le message de cet assassinat? Alors, selon les médias, d'ailleurs, cette information a été largement répercutée sur Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors, le tueur a en effet évoqué la vengeance sur Alep. Dans la presse occidentale, on a essayé de faire croire que la politique russe en Syrie est mise en cause. Est-ce que, selon vous, là, il s'agit d'une mise en cause de la politique de la Russie en Syrie ou bien une tentative de vengeance pour le rôle important et primordial joué par Moscou dans la libération d'Alep? Moi, je vais vous dire, ce que je pense, c'est une attaque de la CIA. Voilà, c'est très clair. D'ailleurs, il y a une déclaration de M. Çavuşoğlu qui reprend d'ailleurs la position commune. Hein. C'est très intéressant, de la Turquie et de la Russie qui sont d'accord là-dessus. Le policier en question, hein, qui a assassiné l'ambassadeur, faisait partie de la confrérie de Fethullah Gülen, c'est prouvé, hein, et les Turcs et les Russes sont d'accord là-dessus. Hein, c'est un fait, il avait été élevé dans la confrérie de Fethullah Gülen. Bon, je pense que les derniers jours d'Obama à la Maison-Blanche, je pense que tout le monde est pressé que ça finisse, parce que c'est toujours à ce moment-là qu'on fait le sale boulot. Et là, il paraît évident que c'est une vengeance qui tente, une fois de plus, à déstabiliser les liens entre la Turquie et la Russie, et même avec l'Iran aussi, d'ailleurs. Ça rappelle un petit peu l'histoire de l'avion russe, mais simplement à l'époque, il y a un an, quand on disait qu'il s'agissait sans doute d'un acte de la confrérie Gülen ou de la CIA pour diviser la Turquie et la Russie, on ne croyait pas vraiment, mais ça semble évident aujourd'hui. Et ce qui est très encourageant, c'est que ça ne marche pas et que la Russie et la Turquie ont le même discours en disant que ce n'est pas ce genre d'acte qui va entamer le travail entre la Turquie et la Russie. Donc il semble évident que ce soit encore un coup de Fethullah Gülen, d'autant plus que visiblement le policier en question était vraiment un élément important dans la confrérie. Alors certaines personnes disent, mais oui, mais
ça fait longtemps que la Turquie s'est débarrassée des gulenistes. Non, il y en a tellement que ça prendra des années. C'est-à-dire, c'est pas une personne sur dix, c'est trois personnes sur dix dans la police, dans l'armée, infiltrées depuis des années. Donc je crois que c'est simplement un acte qui tend à essayer de mettre un peu plus de pression sur la Turquie et d'essayer évidemment de faire fâcher la Turquie et la Russie. Merci, Monsieur Blatt. Merci. Monsieur Egorov, alors sur l'implication de la CIA via le réseau Fethullah Gulen, comme l'a fait remarquer Monsieur Blatt, est-ce que cette hypothèse vous semble plausible? Oui. Elle me semble plausible. Je suis d'accord avec mon collègue Stéphane Blatt, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a un an, lorsque les gulenistes étaient mis en cause, c'est vrai que certains étaient perplexes quant à cette théorie. Beaucoup voyaient ça surtout comme une tentative d'essayer de se justifier après ce qui est arrivé en novembre 2015, parce qu'on sait que les relations après cela ont été gravement endommagées entre la Russie et la Turquie. Donc beaucoup voyaient ça comme une tentative de se justifier et aussi de pouvoir se débarrasser des opposants politiques en Turquie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe et au vu de ce que j'entends de la part des experts, des différents experts russes, turcs, même syriens d'ailleurs aussi, syriens, iraniens, européens, c'est vrai qu'on voit de plus en plus qu'il y a une hystérie au summum aujourd'hui de la part de certains éléments obscurs qui visent à tout prix d'abord d'essayer de se venger de la Russie et de ses alliés pour les succès récents que l'on observe, mais aussi de saper les efforts, comme on a vu, vous avez bien rappelé au début de l'émission, dans votre reportage, que cet assassinat a eu lieu à la veille de la rencontre tripartite à Moscou entre les chefs des diplomaties et les chefs des ministères de la Défense russes, iraniens et turcs. Et ça, c'est très symbolique. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un dialogue qui a été lancé entre la Russie, l'Iran et la Turquie. Un dialogue qu'on espère honnête, franc, et qui va donner des résultats positifs, avant tout pour la Syrie. Et sans la participation des USA, sans la participation des régimes occidentaux et sans la participation de certains régimes du Golfe. Ça, évidemment, ça crée une hystérie supplémentaire à ces éléments-là. Donc, je pense que cette thèse n'est aucunement à écarter. Je pense qu'elle a toute sa place, oui. Merci, M. Egorov. M. Blatt, aujourd'hui, alors de toute évidence, les États-Unis, en effet, se trouvent en quelque sorte en retrait de la scène politique syrienne. En d'autres termes, les États-Unis ne jouent absolument aucun rôle en Syrie. En d'autres termes, c'est la Russie, mais aussi la République islamique d'Iran qui se présente comme le maître du jeu diplomatique, d'où justement alors cette importante réunion tripartite à Moscou. Alors, la question qui se pose, dans quelle mesure l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara profiterait aux États-Unis et au tandem américano-sioniste, justement, avec les victoires importantes et décisives que M. Egorov vient d'évoquer, que la Russie et la République arabe syrienne ont remporté, notamment à Alep. Oui, alors d'accord, je suis tout à fait d'accord avec notre ami Monsieur Egorov. Je pense d'ailleurs que, alors ce que vous me dites, je ne pense pas qu'il faille chercher la raison de l'assassinat dans une supposée victoire politique ou de faire bouger les lignes, parce que je pense qu'ils savent très bien que ça ne fera rien bouger du tout. La Turquie et la Russie vont rester soudées. Je pense que c'est plutôt, enfin, c'est une hypothèse, mais je pense que c'est plutôt un acte d'intimidation. C'est un acte d'intimidation pour faire peur à tous les gens qui collaborent à ce rapprochement. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, parce que sinon, je vois pas très bien l'intérêt. Quand même, il est évident que c'est tellement gros que personne ne va tomber dans le panneau. Mais je crois que tout se résume par le discours qu'a fait, enfin, si on peut appeler ça un discours, qu'a fait Obama il y a quelques jours, qui a stupéfait le monde entier, qui a stupé la Russie, les Russes, Poutine, etc., qui est quand même un discours qui tranche avec tout ce qu'on a vu dans la diplomatie. Enfin, c'est vraiment au-delà de l'insulte. Et on voit bien que les derniers jours d'Obama sont terribles. Il n'a plus rien à perdre, donc tout le sale boulot est en train d'être fait. Comme Donald Trump n'a pas été extraordinairement clair sur ce qu'allait être sa politique dans la région, je crois qu'il y a certaines forces qui profitent des derniers jours d'un pouvoir
qui n'en a plus que le nom, pour faire n'importe quoi. Et je crois que en attendant l'arrivée de la nouvelle administration Trump, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle va faire, ça va se multiplier. Et donc je crois que les jours à venir sont très inquiétants, parce que tout peut arriver et très difficile de remonter à la source. Merci, M. Blatt. M. Egorov, vous avez évoqué tout à l'heure l'objectif principal de ce drame, porter atteinte aux relations Russie-Turquie, mais aussi déstabiliser le processus de paix en Syrie. Alors cet objectif n'a pas été atteint, d'autant plus que la réunion avait été maintenue à Moscou. Les participants ont convenu d'étendre le cessez-le-feu et de coopérer étroitement pour l'avenir de la Syrie. Ceci étant dit, alors désormais, à quel scénario faudrait-il s'attendre de la part justement des États-Unis, où il y aura prochainement ce changement de président? Alors moi, je pense qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a un risque qu'il y ait de nouvelles provocations. Je pense qu'il faut faire très attention là-dessus, et cela nous concerne tous. Cela concerne la Russie, cela concerne la Turquie, cela concerne l'Iran, cela concerne bien évidemment la Syrie. Il faut faire très attention parce que, en effet, l'administration Obama, il lui reste très peu. Et effectivement, à l'heure actuelle, elle n'a plus rien à perdre. D'où des actes désespérés, parce que l'hystérie, elle était déjà à un niveau très élevé il y a quelques mois de cela. Là, c'est vraiment le summum. Là, c'est vraiment le summum. On le voit dans le discours, mais on le voit aussi dans les actes. Donc, pour moi, je pense qu'il faut faire très attention. Surtout que hier, suite à cette réunion tripartite à Moscou entre les chefs des diplomaties russes, iraniennes et turques, il y a eu effectivement des déclarations très fortes, intéressantes, parce que d'une part, les trois pays ont confirmé qu'ils vont joindre leurs efforts dans la lutte antiterroriste et vont continuer à soutenir une solution politique à la crise en Syrie. Mais il y a eu un autre point très important qui a été mentionné par le ministre russe Sergei Lavrov dans le communiqué final, qui indique que les trois nations confirment le respect de la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie en la qualité d'un État multiethnique, multiconfessionnel, démocratique et laïque. Et par ailleurs, ils se sont mis d'accord aussi pour coordonner dans un avenir proche une réunion intersyrienne des pourparlers intersyriens dans la capitale du Kazakhstan, Astana. Donc on voit bien qu'il y a des efforts très forts qui sont entrepris par les trois pays. On ose espérer que cela poursuivra. Et il faut faire très attention, parce que les États-Unis et certains de leurs, comme je les appelle, sous-traitants, certains des États, des suiveurs de la politique états-unienne, peuvent entreprendre de nouvelles actions pour déstabiliser ces efforts. Donc il faut faire très attention. Je pense que là, plus que jamais, on doit avoir gardé à l'œil les risques de nouvelles provocations très sérieuses à différents niveaux. Merci, M. Egorov. M. Blatt, donc on pourrait arriver à cette conclusion qu'après la réunion tripartite de Moscou et les déclarations des chefs de la diplomatie des trois pays, on a toutes les raisons de penser que les négociations pourraient reprendre entre le gouvernement syrien et l'opposition. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec M. Egorov, et je pense que c'est justement ce que certaines forces obscures, comme on dit, essayent d'éviter à tout prix, en profitant de la situation de changement de gouvernance aux États-Unis d'une manière urgente et un peu désespérée. Parce que si, dans les faits, l'axe entre la Russie, la Turquie et l'Iran se concrétise réellement dans les faits en Syrie, c'est vraiment la défaite définitive de l'axe américano-sioniste. Donc ils n'ont plus rien à perdre. Moi, je vois ça comme des actes de panique. Enfin, c'est vraiment, voilà, on sème le chaos et on verra bien ce qu'on peut faire derrière. Ça me semble plutôt des actes désespérés qu'autre chose. Mais bon, je veux rester positif, je ne pense pas que ça aura un impact sur la réalité des alliances qui ont été faites. Par contre, bien évidemment, on peut s'attendre à d'autres attaques de ce genre, sont plus des attaques psychologiques qui tendent à effrayer les personnes qui sont parties prenantes dans ce rapprochement. Merci infiniment, M. Blatt. Une toute dernière question, peut-être, à M. Egorov. M. Egorov, donc là, l'échec des terroristes, notamment à Alep, c'est l'échec du camp occidental, la victoire du gouvernement syrien, mais aussi la victoire de l'axe irano
russe dans la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, alors, une nouvelle page semble être ouverte pour la guerre contre le terrorisme en Syrie. Alors, quelles seront les répercussions justement de cette victoire, d'abord sur la situation régionale, mais aussi est-ce que cela amènerait les pays occidentaux, en l'occurrence les pays européens, dont la France, la Grande-Bretagne, à revoir leur politique moyen-orientale? Alors, je pense, c'est une très bonne question que vous venez de poser. Je pense que la victoire en Syrie, même s'il y a encore du travail à faire, il faut bien comprendre que malgré tous les succès que l'on a observés récemment sur le terrain, il y a encore du travail à faire et on espère que les efforts russo-iraniens et aussi en coordination avec la Turquie vont aussi y apporter le pierre à cet édifice, à ces efforts. Maintenant, oui, donc pour moi, la victoire en Syrie, c'est la victoire du monde multipolaire, c'est la victoire définitive de la multipolarité. Pour moi, la multipolarité fait déjà, c'est déjà la réalité. Mais les élites occidentales continuent obstinément à refuser cette réalité, à toujours se croire qu'ils vivent dans leur propre monde. Ils veulent toujours nous forcer à retourner dans l'unipolarité. Ça ne va pas arriver. C'est déjà fini, c'est dépassé. Donc, je pense que l'avenir pour le Proche et Moyen-Orient, cette grande région historique, cette grande région qui est très riche humainement, en termes de ressources, du point de vue de l'histoire, mais aussi qui a été tellement martyrisée, je pense qu'on peut entrevoir une note d'optimisme pour son avenir. Mais tout en sachant qu'il y aura toujours des forces qui vont à tout faire pour nuire à ce que, une nouvelle page puisse s'ouvrir pour la région du Proche et du Moyen-Orient. Ça, c'est un fait. Maintenant, en ce qui concerne les élites occidentales. Alors, comme l'avait dit mon collègue, M. Blett, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour savoir ce qu'il va vraiment être du côté états-unien. Beaucoup de gens placent beaucoup d'espoir dans l'administration Trump, mais est-ce que les actions vont confirmer les paroles qui ont été dites et les promesses qui ont été données? Ça, c'est une question à laquelle pour l'instant on ne peut pas vraiment répondre. En ce qui concerne les élites européennes, il y a aussi du changement qui peut arriver. On observe, je ne pense pas que cela arrivera vraiment du côté de la Grande-Bretagne, de la France peut-être, mais c'est une question à laquelle on pourra définitivement répondre dans les prochains mois. On a encore besoin de temps pour en savoir plus. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les élites occidentales, plus vite ils accepteront la nouvelle réalité multipolaire, mieux ce sera pour eux-mêmes. Mais s'ils s'obstinent à la refuser, tant pis pour eux. Mikhail Egorov, journaliste chroniqueur russe par Skype depuis Moscou, et Stéphane Blett, analyste franco-turc des questions internationales depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la Merci. fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.